Concernant ce qui s'est passé à Annecy, ma première pensée, elle va évidemment aux victimes, et on pense à toutes ces familles, à ces enfants, et on prie pour eux. Ma deuxième pensée, c'est la tristesse de voir quelqu'un qui fait de telles choses au nom de Jésus-Christ, enfin, si tout ça est confirmé. Et ça suscite deux réactions pour moi. La première réaction, c'est de me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est incohérent. Quand quelqu'un fait une telle chose au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il fait. Jésus dit lui-même, il y a des gens qui diront Seigneur, Seigneur, hein, c'est-à-dire on prononce ton nom, on fait des choses en ton nom. Et moi, je vous dirais, je ne vous connais pas, hein, et je ne vous ai jamais connu. Voilà, donc il y a des gens en fait qui peuvent se prétendre être chrétiens. Ça peut être pour des choses simples, des gens qui vont à l'église, au culte, et qui vont dire, voilà, ça je le fais au nom de Dieu. Ça peut être même des choses dramatiques comme ce qui s'est passé à Annecy. Jésus leur dira, je suis presque persuadé, hein, moi, je ne vous connais pas, sauf si ces personnes vivent vraiment une repentance et un retournement et une conversion incroyable. Je ne vous connais pas. Vous dites que vous faites des choses à mon nom, mais je ne vous connais pas. L'Inquisition, les croisades, tous ces meurtres et puis même ces drames, hein, ou des viols, voilà, par des gens qui se disent chrétiens. Ben, sauf s'il y a une repentance, une vraie repentance, le Seigneur Jésus va leur dire, moi, je ne vous connais pas. Et la deuxième chose que ça suscite, c'est... Quand un musicien joue très mal du Beethoven ou du Mozart, on ne dit pas ben, je ne vais plus écouter Mozart. On va dire je ne vais plus écouter ce musicien-là. Et excusez-moi, mais quand quelqu'un fait de telles choses au nom de Jésus-Christ, on ne dit pas ben, je ne vais plus écouter Jésus-Christ, ou je ne crois plus en Jésus-Christ, ou je pense que tous les chrétiens se trompent. On se dit cette personne-là, elle n'a rien compris à Jésus-Christ. Voilà. Beethoven, Mozart, Bach ont écrit des choses extraordinaires, magnifiques. Mais il faut que ce soit bien joué. Il y a une partition, si on respecte cette partition et l'esprit de cette partition, on peut même peut-être aller plus loin que ce qu'ils ont proposé. Jésus a dit, a écrit des choses. Si on respecte la partition, ben, le monde va changer et il n'y aura pas des meurtres, il y aura de l'amour, hein, et du pardon et des bouleversements positifs dans les vies. Donc voilà, j'imagine ce que certains vont dire assez rapidement. Et puis peut-être pour terminer, ben, il y a aussi le petit éclair de soleil dans cet événement terrible. Ce jeune homme avec son sac à dos qui est un blogueur et qui montre des cathédrales pendant qu'il fait des marches, mais qui essaie d'empêcher l'assassin, hein, de continuer son assassinat ou ses assassinats. Et cette réaction-là, il n'a pas dit je vais contre l'agresseur au nom de Jésus-Christ, mais c'est ce qu'il fait, vraiment. Voilà. Donc ce n'est pas ceux qui le disent qui travaillent le plus pour le Christ, c'est souvent ceux qui ne le disent pas, mais qui joue la bonne partition.